La semaine ne commence pas de la meilleure des manières pour Jean-Luc Reichmann. Ce lundi 16 janvier 2023, le présentateur des 12 coups de midi, TF1, a annoncé une mauvaise nouvelle à sa communauté, sur sa page Instagram. Fin décembre 2022, Jean-Luc Reichmann a été élu animateur préféré des Français selon les résultats du sondage de Télévision Mag. Il a ainsi succédé à Stéphane Plaza. Mais être le chouchou du public ou même une personnalité publique n'empêche pas le fait que, comme tout le monde, les people doivent parfois faire face à des difficultés. On en a une fois de plus eu la preuve avec la star de TF1 qui a été victime de vol. Alors qu'il sortait de bon matin, la nuit toujours tombée, pour se rendre sur son lieu de travail, on imagine, Jean-Luc Reichmann a eu une bien mauvaise surprise. Il a en effet constaté que son scooter, avec lequel il se déplace tout le temps, n'était plus là. Ni une ni deux, le compagnon de Nathalie Lecoutre s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer la mauvaise nouvelle. Ainsi, les internautes ont pu découvrir une vidéo sur laquelle Jean-Luc Reichmann est dans la rue. En pleine nuit, on vient de me voler le scooter. La semaine commence super bien. Si est-il chaud cette semaine? That's life. Si est-il un peu dur quand même, explique-t-il.